Good morning, allez, Daniel et Susra, aujourd'hui, l'Irfouat, Olivier Israël Shimon ben Chaya Esther, Inon Chay ben Jessica, et Shmuel Meir ben Myriam Serel Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions le Sechet Psachim, Perek Aleph Mishnah Dalet. Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh, Vesorofin Bitrilat Chesh. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin Kol Arba, Vetolin Kol Chamesh, Vesorofin Bitrilat Chesh. On a fini avec l'abdikat hametz. On va aborder à partir de maintenant le sujet de la suite, quoi. Là, on approche Pessah. Ça va inclure d'abord la mitzvah de biur hametz, mais avant la mitzvah de biur hametz, on interdit de consommation du hametz, qui est en fait dépendant de la mitzvah de biur hametz, et on explique. D'abord, tout le hametz qu'on a cherché, il faut le détruire. La Torah, elle a dit « Ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem » Le premier jour, apparemment. Cependant, le premier jour, vous devrez détruire tout Hametz. De là provient la mitzvah de chercher le Hametz, ne pas se fonder uniquement sur le fait qu'on annule le Hametz. Donc on a une mitzvah de détruire le Hametz. C'est déduit de plusieurs manières qu'en réalité, il ne faut pas interpréter le verset « Le premier jour, c'est le premier jour de Pessah, depuis le moment où Pessah rentre ». Non, ça commence une demi-journée auparavant. Durant la journée du 14, alors, à la mi-journée du 14, il y a un interdit minatora de posséder le Hametz. Et il faut détruire le Hametz avant d'arriver. En arrivant à ce moment-là, c'est le moment de le détruire. D'accord? C'est déduit de plusieurs versets. Notamment, tout d'abord, vous savez que le 14 Nissan, après-midi, c'est un demi-jour de fête, comme ça. À l'époque du Beth Amikdash, on offrait le Corban Pessah. À notre époque, on s'abstient aussi de faire des travaux depuis l'après-midi. On se coule. D'accord? Toutes sortes de travaux. C'est le même statut que Chol HaMoed. On apprendra plus tard encore différents usages sur cet après-midi-là. Pour nous concentrer sur notre sujet, la Torah elle insiste, elle nous a dit, depuis le moment où tu vas apporter le Korban Pessah, l'otochal alav chametz, tu n'auras pas de chametz chez toi. Donc, je déduis par là, par extension, par plusieurs manières d'étudier dans la Gemara, il y a plusieurs drachos dans la Gemara, il y en a peut-être 5 ou 7, je ne sais plus, pour déduire en fait que depuis l'après-midi du 14, je n'ai plus le droit de posséder du Hametz par la Torah. Maintenant, pour bien comprendre la Mishnah d'abord, il faut une petite introduction, c'est expliquer c'est quoi les heures solaires. Dans la Torah, vous verrez dans la Halakha, on en parle constamment, on va parler de faire le Kriyat Shema jusqu'à la troisième heure, prier jusqu'à la quatrième heure, là on va parler de la quatrième, la cinquième, la septième heure, Mincha ça va être à partir de la... Mitrek Dola, Mitrek Tana, on va parler comme ça de la 9e heure, on va parler... C'est quoi des heures solaires? C'est très simple. Vous prenez le début du... le lever du jour, avec une petite discussion, est-ce qu'on calcule depuis le lever du jour et depuis le Netzachama, 1h12 d'intervalle, ça décale un peu tout. En tout cas, vous prenez, peu importe où se trouve la borne, le lever du jour et le coucher du soleil, tomber de la nuit, les 3 étoiles. Vous prenez maintenant ces 2 bornes, vous allez avoir, selon l'été ou l'hiver, l'équivalent de 10h30 jusqu'à peut-être 13h30, vous séparez, vous divisez ça en 12, ce que vous allez obtenir, 1h12 par exemple, 1h05, parfois 53 minutes peut-être en hiver, eh bien ça s'appellera une heure solaire, d'accord? On aura toujours quand même que le Chatzot Hayom, la mi-journée, elle sera toujours exactement au milieu de la journée, parce que 6 heures ça fera, n'importe si vous avez fait des heures de 55 minutes, ou des heures de 1h15, ou même de 2h30, c'est pas mon problème. Vous aurez toujours la 6e heure parmi les 12 qui sera exactement au milieu. D'accord? Ça, c'est le moment où le soleil il est au zénith. Donc vous allez obtenir, c'est quoi? Une heure solaire. Ok? Maintenant, je reviens sur une heure solaire. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Selon la Torah, depuis la mi-journée, donc depuis que tu vas débuter la 7e heure, tu finis, tu boucles 6 heures pleines, tu as fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as fini de remplir la 6e heure, tu entres maintenant dans la 7e heure. Alors là, maintenant, tu es passé dans la deuxième journée, il y a l'interdit Minatora. Sur ça, on a deux avis, comment se conduire? Est-ce que, malgré tout, on a le droit de profiter du Hametz et de le consommer jusqu'à la dernière limite, ou bien je dois m'arrêter auparavant? Et on a une machloquette. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir enseigne, « Ochlin kol chamesh, tu pourras manger durant toute la 5e heure, vesorofin bitri la tchèche. » Et tu brûleras le Hametz au début de la 6e heure. Soit selon Rabbi Meir, en fait, Rabbi Meir fait un décret de une seule heure. À début de la 7e heure,
C'est là l'interdit minatora de posséder du Hametz que tu dois brûler ton Hametz. Je te demande une heure avant, donc début de la sixième heure, fin de la cinquième, passage de la cinquième à la sixième heure. Ouais, la première heure que vous comptez, c'est la première. Donc, fin, sixième heure, c'est la dernière heure de la première moitié. Depuis le début de la première heure de la moitié, tu dois brûler le Hametz. Mais auparavant, je ne t'interdis rien d'autre. Pourquoi Rabbi Meir fait un décret comme ça de nous protéger pendant une heure? C'est quoi le problème? Pourquoi pas juste un quart d'heure? Pourquoi pas? Réponse, parce qu'en fait, lorsque le soleil il entre dans la courbe, c'est-à-dire dans le zénith, un peu avant, un peu après, on se trompe facilement. Est-ce que le soleil est exactement au-dessus? Est-ce qu'il tend encore vers l'est? Ou est-ce qu'il est passé à l'ouest? On peut facilement se tromper dans cette heure, c'est pas assez net, c'est pas assez défini. Du coup, on a fait un décret pour ne pas que les gens se trompent. Une heure, ça suffit. Ok? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Donc, jusqu'à cette heure-là, tu fais ce que tu veux, tu manges, tu consommes, tu tires profit. Arrive cette heure-là, tu t'arrêtes. Début de la sixième heure. Et donc, c'est ce qu'il me dit. Ochlin kol chamesh, tu peux manger durant toute la cinquième heure, c'est-à-dire de 4 à 5. Mais. Ve sorfin bitri la tchèche. Par contre, tu brûles au début de la sixième heure, tu n'attends pas la fin de la sixième heure. Ok? Et ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda me dit autrement. Lui, il me fait deux bornes. Il me place deux bornes. Ochlin kol arba, vetolin kol chamesh, vesorfin bitri la tchèche. Ochlin kol arba, tu pourras manger durant toute la quatrième heure. Toute la quatrième heure, tu pourras manger. Entre maintenant, là, le début de la cinquième heure, tu t'arrêtes de manger. Pendant une heure, tu as le droit d'en tirer profit. Tu finis la cinquième heure, entre la sixième heure, tu n'as plus le droit d'en posséder, tu dois le brûler. Ok? Au début de la sixième heure. Je refais ça dans les mots. Ochlin kol arba. Tu pourras manger durant toute la quatrième, mais pas dès que la cinquième commence à entrer, tu t'arrêtes. Vetolin kol chamesh, par contre, lorsqu'elle est entrée, la cinquième heure, tu seras tolé. Ça veut dire quoi être tolé? Tu le laisses en suspens, c'est-à-dire tu le manges plus franchement, mais tu pourras quand même en tirer profit. Tu as le droit de le donner à manger aux animaux même. Et ce sera encore mieux précisé en fait dans les prochaines chapitres encore. Et voilà, maintenant. Et donc, et Vesorfin Mitre la Chacha, il redevient comme Rabbi Meir depuis le moment où entre la sixième heure, je t'interdis d'en posséder, même si Minatora tu pouvais tirer une heure supplémentaire. Dès le début de la sixième heure, c'est fini. Tu peux plus, tu dois le brûler, tu peux plus en tirer profit complètement. Ok? Pourquoi Rabbi Yehuda fait un décret pareil d'interdire cette fois-ci 2 heures la consommation? Zera Mishum Yom Ameunan, il rapporte le Barthénora. Elle a un décret à cause d'un jour, comment dire, nuageux. Soit les heures solaires, tu les calcules selon le soleil, la position du soleil. Selon les 2 jours où il y a tellement de nuages que tu ne réussis pas à voir l'heure qu'il est. Tu vas te retrouver une veille de Pessah, tu vas perdre un petit peu le sens du temps, des heures, tu vas t'embrouiller. Du coup, une chose de sûre, c'est que 2 heures avant, tu ne vas pas t'embrouiller. Pourquoi? L'Agma l'explique, parce qu'en général, la quatrième heure, c'est l'heure du repas. Donc, tu as au moins un repère net, c'est le moment où ton estomac te dit que tu as faim. Tu sais que là, tu es dans la quatrième heure, donc tu finis cette heure-là, tu manges, et puis après c'est fini, tu arrêtes de manger. Là, ce repère, il est net. Tandis que le repère de la cinquième heure, alors on craint que peut-être que il va y avoir des nuages, tu ne vas pas voir l'heure qu'il va être. Du coup, il va interdire à la consommation, mais il va permettre quand même d'en tirer profit. Et d'ailleurs, on pourra même le vendre si on voudra, par exemple, le vendre au goy, celui qui n'a pas encore revendu, il pourra à ce moment-là encore le vendre, faire la mechirat hametz du goy durant la cinquième heure. Sixième heure, c'est fini, on ne peut même plus le vendre encore au goy. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Se'ala.